Bien-aimé dans le Seigneur, shalom à vous, vous qui êtes connectés et branchés sur la chaîne, voilà donc notre chaîne de télévision, comme je voulais dire, que Dieu vous bénisse, merci dans ces programmes, dans ces nouveaux programmes de précéder l'aurore de ce matin. Nous sommes là pour passer du très beau moment dans la présence de Dieu, car la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous croyons que Dieu est le nôtre et qu'aujourd'hui, nous allons passer du très bon moment dans la présence de Dieu. Shalom, Pasteur Honorine. Shalom, homme de Dieu, apôtre Bolavie Isaou, nous te bénissons, toi qui es déjà connecté ce matin sur notre page Précéder l'Aurore. Nous te bénissons, toi qui as l'habitude d'être toujours là en train de partager, d'inviter quelqu'un pour ensemble avec nous rentrer dans ce moment de prière et de partage. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Nous croyons qu'aujourd'hui, c'est une journée que Dieu a faite. Nous avons un grand témoignage ce matin parce que Dieu nous a donné la vie, les souffles de vie. Ça, c'est un témoignage de tous les jours. Donc, tous les jours, quand je me réveille, c'est un grand témoignage. C'est quelque chose que je n'ai pas mérité. C'est quelque chose qui me vient de Dieu parce que c'est Dieu qui a décidé que je sois en vie aujourd'hui. Nous bénissons le nom de Dieu et nous voulons que lui seul nous accompagne en ces jours à travers son esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Nous remettons toutes choses entre ses bonnes et saintes mains et nous croyons que tu seras béni encore aujourd'hui et que le Seigneur va t'aider à avoir la réponse à ta question en ces jours. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Voilà. Voilà, donc hier nous étions là, nous étions en train de parler des symptômes de maladies qui sont dits à la sorcellerie. Et comme on l'avait dit la fois passée, donc on a dit il y a certaines maladies que nous avions qui sont le résultat des envoûtements, donc qui sont le résultat des mauvais sorts qui ont été jetés sur la vie d'une personne. Et nous avons dit que nous avons montré les symptômes de certaines de ces maladies-là. Et je crois qu'il serait important que nous puissions revenir sur le thème avant que nous puissions aller encore plus loin. Donc nous étions en train de parler de ces maladies. Hier nous avons parlé du cas de cette femme qui se trouve dans le livre de Luc chapitre 13 du 1er, du 11e jusqu'au 16e verset. La Bible nous dit que pendant que Jésus était dans l'église, c'est-à-dire que dans la synagogue, et la Bible nous dit qu'il a vu une femme qui était courbée, et la Bible nous dit que l'esprit, elle était possédée par un esprit impur qui la rendait infirme, donc qui l'avait rendue dans cet état-là depuis plus de 18 ans. Amen. Donc voilà, donc c'était le cas que nous avions abordé hier. Et aujourd'hui, nous avons voulu parler encore de cet homme de Dieu qui s'appelle Job, qui était un homme intègre, un homme droit. Et la Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 2, le verset 7, la Bible nous montre qu'il a été frappé par le diable. Donc c'est l'ennemi qui l'avait frappé. Et après avoir été frappé par le diable, il a eu de l'usure. Et voilà, donc nous sommes en train de dire qu'il y a donc la sorcellerie n'est pas à l'origine de toutes les maladies. Mais il y a beaucoup de maladies, je voulais dire 90% des maladies qui sont dues d'origine occulte. C'est-à-dire que c'est le résultat de l'envoûtement, c'est le résultat de mauvais sorts, donc ce sont des résultats des pratiques maléfiques qui ont été faites dans la vie d'une personne, ou bien les conséquences des résultats sataniques qui ont apporté ces maladies dans la vie des personnes. Donc c'est là que nous étions hier, donc on va continuer un peu sur le thème. Parce qu'hier on n'avait pas eu le temps de terminer parce qu'on devait parler surtout de maladies. Quelles sont ces maladies surtout dans la vie de nos enfants, quels sont les symptômes, mais nous n'avions pas terminé. Donc aujourd'hui nous allons répondre là où nous étions arrêtés, Pasteur Honorine. Alléluia, moi je voulais dire sans vous couper tout à l'heure quand vous parlez, je voulais dire qu'il y a des maladies sorcelleries qui nous arrivent. Pourquoi? Parce que le résultat du péché, la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort. Et quand nous ouvrons la porte à l'ennemi, la Bible déclare que c'est un lion qui rugit, qui est là en train de nous surveiller. Il est là à rôder, à regarder quel moment il peut rentrer dans notre vie pour frapper. C'est les voleurs qui viennent détruire, qui viennent dérober, qui viennent égorger, qui viennent détruire. Et il est là, il attend que toi, enfant de Dieu, tu puisses ouvrir une porte. Parce qu'il sait, il est comme l'homme de Dieu a toujours l'habitude de dire, que le diable sûrement c'est un juriste, c'est quelqu'un qui travaille avec la loi. Il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Et la plupart des maladies sorcelleries qui nous arrivent, ce sont les maladies qui ont été ouvertes, qui sont rentrées dans notre vie par une porte que nous avons ouverte. Et cette porte-là, c'est le péché.
Et j'aimerais dire qu'il y a des maladies comme ça qui nous arrivent parce qu'il y a des iniquités que nous n'arrivons pas à abandonner. Donc là, je ne parle pas des péchés que nous commettons, que nous trébuchons, parce qu'étant qu'enfant de Dieu, étant qu'humain, ça nous arrive de pécher, de trébucher, de nous repentir et c'est passé. Mais il y a ce genre de péchés qu'on appelle les iniquités. Donc ce sont des péchés répétitifs. Ce sont des péchés qui ne sont plus des péchés, mais qui sont devenus un lien. Par exemple, on va dire l'iniquité, quelqu'un qui a l'habitude de se mettre en colère. Ça, c'est vraiment un exemple que je prends parmi tant d'autres. Ce n'est pas que je suis contre les gens qui se mettent en colère. Évidemment, je vous aime beaucoup, mais la colère, j'aime pas. C'est comme Dieu, il nous aime et n'aime pas les péchés. Donc, j'ai rien contre les gens qui se mettent en colère, mais j'ai quelque chose contre la colère. Quelqu'un qui se met tout le temps en colère. Cette personne-là qui s'est mise en colère, la colère est partie, mais une autre fois il recommence, une autre fois il n'y recommence. C'est vraiment un bon proie, si je veux dire. C'est quelqu'un qui est adapté, c'est quelqu'un que le diable aime bien, parce que dans la vie de cette personne-là, le diable rentrera et donnera des maladies sorcelleries, des maladies diaboliques. Pourquoi? Parce qu'il trouve un endroit, un champ pour travailler. Donc, il peut rentrer comme ça dans la vie de cette personne. Il peut en profiter de la vie des enfants de cette personne. Il peut en profiter de la vie du foyer de cette personne. Parce que c'est une porte qui est ouverte. Parce que la plupart des enfants subissent les conséquences du péché des parents. C'est comme a dit le roi David, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc, il y a des choses qui lui arrivent dans la vie qui ne sont pas venues de lui, mais qui sont venues de l'iniquité des parents, du péché des parents. Les iniquités, c'est quoi? Ce sont des péchés répétitifs. C'est vraiment une porte que le diable utilise pour rentrer et donner la maladie dans notre vie. Donc il faut vraiment, étant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que nous avons les maladies bizarres, les maladies mystérieuses, les maladies répétitives qui nous arrivent, mais j'aimerais pousser quelqu'un à réfléchir un peu, à regarder comment est-ce que tu es enfant de Dieu et que ces maladies arrivent à rentrer dans ton corps. Donc quelque part, il y a soit les iniquités, soit il y a une porte qui est ouverte, soit tu payes le prix de tes parents, les iniquités des parents, soit, et en tout cas, c'est peut-être le Seigneur qui a permis, comme il a permis dans la vie de Job, il a permis que le diable frappe parce qu'il y avait un but enfin pour accomplir quelque chose dans la vie de Job. Mais en tout cas, il faut examiner aux portes qui font en sorte que nos vies sont frappées par la maladie. Donc, moi, je dirais encore que la sorcellerie, parlant de la sorcellerie, nous avons dit que donc beaucoup de maladies ont été provoquées par la sorcellerie. Donc, la sorcellerie peut provoquer les dérèglements de ton système. Donc, ton système ne répond pas tel que ça devait répondre. Et oui, c'est vrai, il y a parfois, nous sommes optères, c'est-à-dire que nous avons ouvert la porte, mais ça peut aussi être le résultat de portes que nous n'avons pas la gestion, c'est-à-dire que ce sont des portes que nous autres, nous n'avons pas ouvertes. Nous parlerons de la sorcellerie par le sang, allons parler de la sorcellerie héréditaire. Mais je dirais par les symptômes, nous allons dire ensemble ici que souvent quand tu vas chez le médecin et que le médecin te dit que tout est normal, mais pendant ce temps, toi tu es en train de souffrir, tu dois comprendre que ta maladie est d'origine de la sorcellerie. Sinon, le médecin allait trouver directement la maladie. Donc, il ne faut pas qu'on commence à chercher pour finir en train de trouver la maladie. Il y a même des fois où le médecin te dit que ce sont vos maladies africaines. Donc, ce sont des maladies. Il faut aller voir avec ta famille. Parfois, il y a des médecins qui nous disent ça. C'est pour nous dire qu'il n'y a rien d'anormal. Donc, tout est normal. Mais pourquoi tu es en train de souffrir? La deuxième des choses, c'est que parfois il y a un problème et le médecin te dit, ben oui, c'est vrai, on voit le problème, mais on n'a jamais vu de pareil. Donc depuis que nous sommes là, nous sommes médecins, nous n'avions jamais vu de pareil. Tout cela nous montre simplement que la maladie que tu as, c'est une maladie qui provient de la sorcellerie. Et la troisième des choses que je voulais dire, parfois on te dit que non, d'accord, tu n'es pas malade, c'est juste les stress. On te prescrit des antidépresseurs parce qu'ils disent que non, tu n'es pas malade, non, que c'est une maladie imaginaire. Et pendant ce temps, toi, tu es en train de souffrir. Bien aimé dans le Seigneur, ces antidépresseurs vont encore provoquer des autres maladies dans ta vie. C'est pour te dire simplement que ce n'est pas auprès des médecins que tu dois commencer à chercher la guérison, mais tu dois comprendre que la maladie que tu as, c'est une maladie qui est provoquée par les esprits maléfiques. Nous avions dit que la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est ces pratiques maléfiques que l'humain est en train d'utiliser en associant les esprits.
D'accord. Donc l'ennemi, donc c'est-à-dire que l'être humain appelle les esprits pour qu'ils puissent avoir le contrôle sur les autres. Amen. Donc il prend l'appui sur les esprits pour avoir la domination sur les autres, pour essayer de changer la loi de Dieu. Amen. Par rapport à ce que Dieu a établi. Mm. Et nous avons parlé de maladie du cancer, nous avons parlé de la maladie de hémophilie, et nous avons parlé du cas des diabètes. Donc nous avons parlé du cas de problèmes de reins. Des problèmes de reins, ce sont des problèmes vraiment sataniques, des problèmes maléfiques. Hier encore, j'étais avec mon frère qui me parle des histoires de reins. Et quand tu regardes à tout ça, tu comprends que c'est l'ennemi qui est derrière. Donc beaucoup de problèmes de reins, ce sont des problèmes maléfiques. Et tout cela, c'est bien aimé, c'est pour accomplir la volonté du diable dans la vie d'un couple ou dans la vie d'une personne. Alléluia. Sinon, on a parlé aussi des problèmes des ovaires. Des ovaires donc auprès de la femme, le problème des myomes, des fibromes, des kystes, tous ces esprits qui rentrent dans le corps de l'homme et qui commencent à prendre, comment dirais-je, sa possession de son corps. Il amène le dysfonctionnement du système. Oui, il amène le dysfonctionnement de son corps. Donc tout cela, ce sont des maladies maléfiques. Nous avons parlé aussi de gens qui ont parfois de l'eau dans le poumon. Donc on a dit, on ne sait pas, tu as beaucoup d'eau dans le poumon, parfois ils enlèvent cela, mais après il y a encore réapparition des eaux dans le poumon. Le cas de notre sœur qui m'a dit que, apôtre, je suis allé auprès chez le médecin après la chimio, la chimiothérapie que j'ai suivie. Donc, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'eau dans mes poumons et j'arrivais pas à respirer, j'arrivais pas à parler. Donc, il fallait qu'ils puissent encore intervenir, qu'ils enlèvent des eaux dans ces poumons. Bien aimé, d'où provient ces eaux? On a levé 5 litres. Ces 5 litres proviennent d'où? Donc tout ça, ce sont le résultat de sorcellerie qui se trouve dans notre vie. Nous avons parlé du cas de la peau de la femme ou encore de l'homme qui est frappé par le masque satanique et nous voyons des boutons, nous voyons beaucoup de choses. Nous avons parlé du cas de de l'impuissance sexuelle auprès de l'homme. Nous avons parlé du cas de le manque de désir sexuel ou excès de désir sexuel chez l'homme. Il y a des hommes comme ça qui sont appelés à faire l'amour chaque jour, chaque jour. Et là, nous avons dit aussi qu'il y a un problème. Sans cesse, sans repos. Donc, il n'y a pas de repos. Donc, tous les jours, parfois, la femme est obligée de boire l'alcool parce que sinon, elle ne peut pas, elle peut pas suivre ses rythmes. D'accord, donc il y a un rythme exagéré, il en demande trop. Et il y a aussi des couples où l'homme ne demande rien. Je parle avec des femmes qui me disent, papa, nous sommes là comme un frère et sa sœur. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait l'amour. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas couché ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, tous ces dérèglements du système de l'homme, ça nous montre simplement qu'il y a un problème. Nous avons parlé des cas de la stérilité et autres. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on doit continuer encore. Nous avons parlé encore des cas de maladies répétitives. Quelqu'un qui a une maladie mais qui se répète. On a parlé du cas de la sœur qui avait les fibromes qu'en chaque fois on enlevait et il y avait encore apparition. Il y avait tout le temps, elle passait opération. Et c'est quelqu'un qu'on a créé la stérilité dans sa vie parce que après toutes ces opérations, elle ne sait pas avoir des enfants parce qu'il y a eu beaucoup de choses et c'est un cycle interminable, c'est une maladie qui ne termine pas et puis te pose la question, est-ce que je suis habitué à ça ou quoi? Donc c'est vraiment les pièges diaboliques. Et il y a une autre maladie qu'on appelle l'apathie. L'apathie, donc la passive ou l'apathie, je ne sais pas. Donc on dit c'est quoi? C'est des personnes, des hommes ou des femmes qui perdent toute la motivation. Donc tu as quelqu'un qui n'a pas de motivation. Tu es marié à quelqu'un qui il a des capacités. Il peut aller travailler. Il peut trouver du travail, mais il n'a pas envie. Il reste à la maison. C'est donc comme, il y a l'apathie, le terme médical, mais couramment on dit. Ça viendra. C'est donc voilà. Donc quelqu'un qui est pessimiste. Donc oui, donc il y a des gens qui sont optimistes, qui sont motivés, et il y a des gens qui sont pessimistes. Ce sont des gens, des personnes. Ce n'est pas qu'il n'a pas la capacité de faire un travail. Ce n'est pas. Il connaît ça, il peut faire ça, mais c'est quelqu'un, on va dire, négligent, pessimiste, qui commence quelque chose qui termine pas, qui donc n'a pas envie. Il peut se réveiller aujourd'hui, il travaille demain. Oh, je vais me rester couché. Donc c'est un pessimiste. Donc, qui ne croit pas en lui. Des gens qui n'ont pas
la motivation, les gens qui n'essayent rien, donc ils repoussent tout à demain. Donc tu dois faire quelque chose. Ah non, je vais aller demain. Ah, les démarches administratives. Ah, je vais aller demain. Est-ce que toi tu peux le faire? Ah non. Donc il passe tout son temps à dormir. Il n'a, donc il laisse tomber toutes les démarches et lui, sa vie c'est de dormir. Bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi une maladie satanique. Il dort tout le temps, toute la journée, mais dormir dans le sens où qu'il fait rien. Il veut rien faire. Il veut rester là, à rien faire, que les autres fassent à sa place. C'est un peu ça qu'on veut dire. Donc tout cela, ce sont des symptômes de la sorcellerie. Donc il y a un dérèglement, il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons parlé aussi de ces cas où nous disons que, et quand tu te retrouves dans tous ces problèmes, tu dois comprendre que ton problème est beaucoup plus spirituel que charnel. Amen. Donc la solution, nous devons le trouver auprès de Dieu. En parlant de maladie, tu as parlé de quelque chose de très important. Tu as dit il y a des maladies qui sont dites à la sorcellerie, mais il y a aussi des maladies qui sont le jugement de Dieu. Donc tantôt quand tu parlais, tu as dit il y a certaines personnes, c'est parce qu'eux-mêmes ils ont ouvert la porte. Amen. D'accord. Donc là je parlerai des maladies qui sont le résultat des jugements de Dieu. Donc ça, c'est pas simplement la maladie est d'ordre spirituel, mais pas occulte, c'est-à-dire que c'est le résultat de jugement de Dieu. C'est parce que tu n'as pas obéi à la loi de Dieu que Dieu aussi peut te frapper. Parce que écoute ce que Dieu a dit dans le livre de Deutéronome, il a dit quoi? Il a dit qu'il frappera. Il frappera, oui. Donc tu vois, donc Dieu aussi peut nous frapper de la maladie parce que nous n'avons pas écouté à sa voix. Donc si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, si nous endurcissons nos cœurs à Dieu, je crois que nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 28, le verset 59. Donc Dieu, il dit à son peuple, je vous amène dans un beau pays où coule le lait et le miel. Mais il leur a dit comment est-ce qu'il devait marcher. Et il dit, si vous ne marchez pas tel que moi je vous ai demandé, et je vous frapperai de certaines maladies que vous avez vues en Égypte. Voilà, donc c'est tous ces problèmes. Les gens qui n'observent pas la loi de Dieu sont la cible des maladies bizarres. On a vu ça avec Pharaon. Pharaon qui n'obéissait pas à la voix de Dieu, et il a eu des maladies, des choses bizarres, des plaies qui sont arrivées dans son pays d'une manière bizarre parce qu'il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Mais chez nous, enfants de Dieu, la plupart des cas, quand Dieu nous frappe comme ça, c'est parce que nous n'obéissons pas aux choses, aux lois que Dieu veut que nous puissions observer. Un enfant de Dieu qui ne donne pas sa dîme, c'est un enfant de Dieu qui sera frappé par des maladies parce que Dieu permet que le voleur vienne dérober dans ta vie. Le livre de Malachie dit quoi? Mets-moi à l'épreuve, tu verras si je n'agis pas. Et c'est comme ça que quand nous ne mettons pas Dieu à l'épreuve, Dieu permet que le voleur vienne dérober dans nos finances, que le voleur rentre dans nos vies. Et il va dérober comment dans nos finances? Il peut te donner une maladie qui va te permettre à dépenser. Donc l'argent que tu n'as pas donné à Dieu, tu vas le donner au médecin. Donc c'est un argent que tu vas de toute façon pas le garder parce que c'était destiné à Dieu. Comme tu ne veux pas donner à Dieu, tu vas le payer pour une maladie quelconque. Donc c'est vraiment la loi de Dieu que nous devons observer, et quand nous n'observons pas, Dieu est prêt à nous frapper de maladies, à nous frapper de fléaux, de maux, parce que nous n'observons pas sa loi. Donc voilà, donc toutes ces choses nous montrent quand même. J'ai vu un cas de quelqu'un qui avait le diabète, mais qui n'était pas d'origine sorcellerique, mais c'était le fruit de ses péchés. C'était le fruit de ses péchés. C'est un enfant qui était gourmand, un enfant qui mangeait beaucoup. Un enfant, quand il se sert, il a plein son assiette. C'est un enfant qui aime manger. C'est un enfant qui ne fait pas attention à lui. Parce que tu vois, avec Dieu, c'est quoi? Il faut régler avec la loi de Dieu. La loi de Dieu nous donne les règles à suivre. Même quand nous mangeons dans l'excès, c'est un péché. Donc, c'était le salaire du péché. J'ai dit, dans ton cas, il n'y a pas de réclamation, il n'y a pas de sorcellerie. Mais cet homme qui a ouvert la porte à cette maladie de rentrer, parce que tu ne respectes pas la loi de Dieu, parce que tu ne règles pas ton rythme alimentaire. Tu manges n'importe comment, tu manges n'importe quand, et tu manges à l'égoïsme. Tu manges pas pour manger, mais tu manges parce que tu as l'égoïsme de manger. Il n'y a rien qui peut passer devant toi. Et c'est comme ça que tu as eu beaucoup de sucre dans ton corps, tu as eu beaucoup de tout ça, et tu payes le
tu payes le fruit de ton péché. Donc il y a des gens comme ça qui sont malades, par exemple de diabète, mais qui ne savent pas, c'est les fruits de l'égoïsme, c'est les fruits de l'excès des tables. Et ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais c'est vraiment le salaire du péché, c'est la mort. C'est les fruits d'excès des tables. Et nous voyons dans le livre des Galates, l'apôtre Paul a dit, les gens qui mangent comme ça les excès des tables, ce sont les gens qui risquent même leur vie éternelle. Parce que ce genre de choses, les gens qui font ce genre de choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc ce sont des choses que nous devons vraiment observer. Nous les enfants de Dieu, nous avons le code de la route qui est le code, la Bible. Donc tout ce que nous faisons, la vie que nous menons ici sur la terre, ça dépend de ce code-là. Même les corps que nous portons ne nous appartient pas. Nous autres, je vais boire comme je veux, je vais danser comme je veux. Ce n'est pas ton corps, ce corps-là, la Bible nous dit, c'est le temple du Saint-Esprit, du Dieu vivant. Donc c'est un corps qui nous a été emprunté. Nous n'avons pas le droit de les détruire, non pas les droits avec les gens qui prennent l'alcool, tout ça, de détruire le corps de corps de Dieu, parce que Dieu a besoin de son temple. Nous n'avons pas les droits de rentrer dans l'excès des tables, parce que Dieu a besoin de ce corps. Parce que quand tu rentres dans l'excès, le Saint-Esprit ne sait pas rester, tu ne sais pas bien prier parce que tu n'as pas le temps, le Saint-Esprit est affaibli. Pourquoi? Parce que ce corps ne t'appartient pas. Tu dois faire attention avec ce corps, parce que ce corps, tu ne peux pas l'amener au suicide. Ce n'est pas toi qui décides du jour de la vie, du jour de la mort. Donc c'est un corps qui t'a été emprunté et tu as les devoirs de le soigner. C'est vraiment comme Dieu a placé Adam dans le jardin d'Eden pour le cultiver et le garder. Adam n'a jamais créé le jardin d'Eden, n'a jamais cultivé, mais il était là comme intendant pour cultiver et pour garder. La même raison que nous portons ce corps, c'est pour le garder, c'est pour le cultiver, pour l'œuvre de Dieu, c'est pour que Dieu s'en serve. On ne peut pas parler aujourd'hui de ces symptômes dans la santé des enfants. Donc, je voulais dire que le maladie qui sont causées par la sorcellerie donc chez les enfants, nous avons vu des enfants qui sont nés avec la maladie. Donc, on est parti auprès de Jésus, on lui a posé la question, on l'a dit, est-ce que cet enfant qui est né avec la maladie, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Donc, je voulais parler des cas des enfants qui naissent avec des maladies. Donc il y a de maladies qui sont dans la vie des enfants qui sont le résultat du péché des parents. Mais je voulais dire aussi qu'elle n'a pas fait être envoûté pendant qu'elle est où il est dans le sein de sa maman. Donc il y a des enfants qui sont nés, qui naissent avec des maladies. Je voulais parler de problèmes de l'autisme. Donc regarde un peu, aujourd'hui on parle de ces problèmes ici en Europe. Il y a tellement de cas d'autisme. Et quand tu vas voir, la plupart de nos enfants qui sont nés ici en Europe, ils ont ce problème. Et il y a des pays où il y a beaucoup plus ce problème que dans un autre pays. Donc en Belgique, que je vois, il y a peut-être moins des cas que je vis en Hollande ou encore en Angleterre. Donc là, je vis, il y avait tellement de cas. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voulais dire que c'est une maladie qui est due à la sorcellerie. Donc, c'est vraiment l'enfant a été attaqué pendant qu'il était encore un fœtus. Donc l'ennemi lui a attaqué. Et tu verras que le médecin, ils diront que c'est le résultat de pression artérielle dans le corps de sa maman. C'est que la maman, pendant qu'elle était enceinte, elle avait des problèmes de tension, elle avait des problèmes de santé, et elle avait beaucoup de problèmes. Et c'est sur ces problèmes-là qui ont dégradé. Donc c'est-à-dire que le système de son enfant, avant même que l'enfant puisse naître, nous, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais dire que ce problème, c'est un problème satanique. C'est un problème maléfique. C'est pourquoi il est important que nous puissions donner à nos enfants un bon cadre pour qu'ils puissent naître. David a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, mais toi tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Le problème c'est quoi? Tu t'es rencontré avec un homme et cet homme-là, peut-être que tu ne le connais pas. Tu ne sais pas ce qu'il est en réalité. Peut-être c'est un sataniste. C'est peut-être quelqu'un qui est venu accomplir la mission de son maître dans ta vie. Tu vois, donc il y a des gens qui sont envoyés par la sorcellerie de ta famille. Donc parfois les sorciers s'organisent pour t'envoyer la mauvaise personne. Ils t'envoient la mauvaise personne pour t'empêcher de rentrer dans ton mariage. C'est pourquoi il est important, bien aimé dans le Seigneur, avant que tu t'engages avec quelqu'un, que tu puisses demander la volonté de Dieu.
je voudrais parler à une sœur qui n'est pas encore mariée, qui est encore au niveau de faire le choix. Bien-aimé dans le Seigneur, le bon choix tu le fais dans ta vie, ça ne sera pas par rapport à l'argent, ça ne sera pas par rapport à la beauté physique, ça ne sera pas par rapport à l'aspect extérieur, mais surtout parce que Dieu te dira que c'est la bonne personne. Amen, amen. Donc, il faut vraiment que nous puissions comprendre parce que il y a beaucoup des enfants qui sont attaqués aujourd'hui et il y a beaucoup des enfants qui ont des maladies diaboliques. Et c'est le résultat de péché de parents. Comme vous avez dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais il faut qu'une femme commence à réfléchir. Qu'est-ce qui fait que je rencontre toujours de mauvaises personnes? Tu fais un enfant avec quelqu'un et que cet enfant-là, comment cet enfant-là a été conçu? Cet enfant-là a été conçu, peut-être son père s'est drogué. Son père s'est drogué, cela veut dire que la sémence qui est sortie là, c'est une sémence qui est déjà rentrée avec l'esprit de la drogue. C'est une sémence qui est rentrée dans la femme avec l'esprit sorcelé, avec les démons dans la femme. Et cette sémence-là a grandi, l'enfant est né. Cet enfant-là, c'est normal qu'il puisse avoir des problèmes de santé. C'est normal qu'il puisse avoir des problèmes psychologiques parce qu'il a été conçu dans la drogue. Hier, tu avais soulevé un problème où tu dis que, supposons que le père avait un problème d'éjaculation et précoce, et l'enfant qui va naître, donc cet enfant, le père, il doit tout faire pour prier afin que cet esprit-là n'attaque pas l'enfant. Donc le corps de l'enfant ne doit pas être... C'est un peu comme l'enfant qui a été conçu pendant que son père a pris des fortifiants. Parce que comme son père a peut-être des problèmes d'érection, il a pris des fortifiants pour lui permettre à faire cet enfant. Est-ce que nous pouvons parler aussi de notre frère qui ne sait pas s'accoupler avec sa femme aussi longtemps qu'elle n'a pas pris du chanvre? Oui. Donc, tu vois, donc quand elle prend, quand il prend du chanvre, c'est vraiment, il associe les esprits pour s'accoupler avec sa femme. Ça, c'est l'image visible mauvaise que nous disons par rapport à la chanvre, parce que c'est un produit toxique. Mais par rapport aux gens qui prennent les fortifiants, qui prennent les Viagra, qui prennent les choses comme ça, c'est la même chose parce qu'ils associent à leur problème d'érection un esprit, un X, un médicament qui n'est pas naturel, qui n'est pas de Dieu. Donc, cet enfant-là est rentrer avec l'aide de cet esprit, avec l'aide de cet médicament, l'esprit qui accompagne ces médicaments. Donc cet enfant-là aura des problèmes de santé. Est-ce que c'est normal qu'une forte fièvre donc dans le corps d'une femme enceinte puisse griller aussi le cerveau de son fœtus? De toutes les façons, l'enfant qui est rentré, qui a été conçu dans l'iniquité, il y a des conséquences que la maman commence déjà à ressentir. La maman commence déjà à ressentir dans son sein l'enfant qui est en train de se développer. Il y a toujours des séquelles qui montrent les indices. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu nous prévient toujours. Avant de faire quelque chose, Dieu nous parle toujours. Il y a des indices qui te montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Et ça peut influencer même le corps de la femme. Et l'enfant qui a été pénétré dans le corps de sa maman, sous influence de la drogue. Cette drogue-là, ce n'est pas seulement dans le fœtus, mais c'est aussi dans le corps de l'enfant parce que c'est une sémence maléfique qui est rentrée dans la vie de cette femme. Donc cette femme-là va commencer à subir les conséquences de la fumée des chanvres. Ça va commencer à remonter dans sa tête. Elle va commencer à avoir des problèmes d'hypertension. Elle va commencer avec des problèmes d'oppression. Elle va commencer à avoir ces problèmes-là. Et ces problèmes-là, ce n'est pas seulement dans l'enfant, c'est à la maman et à l'enfant. Et on verra que le jour de l'accouchement, c'est l'enfant et la maman auront le problème parce que la personne qui a causé ces problèmes-là, c'est le papa. Dès la conception, il y a eu cet esprit de chanvre qui est rentré dans la femme et dans l'enfant. Voilà, et ça crée tout. Il y a la destinée est détruite. Le diable est très malin. Il n'y a pas que le problème de chanvre ou encore de fortifiants. Mais je voulais parler aussi de gens qui regardent la pornographie avant de se mettre ensemble. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, avant de s'accoupler, ils sont obligés de regarder à la pornographie. Ils s'excitent et après ils se mettent ensemble. Après il y a un enfant. Mais quel est l'esprit qui est là pendant que l'enfant était en train d'être conçu? Qui a accompagné l'image de la sœur. Donc il y a des autres enfants. Des démons, des esprits, des autres, il y a aussi qui étaient là pendant que vous regardez ces choses parce que ces images là sont accompagnées par l'esprit, ces esprits sataniques, diaboliques. Donc c'est tout cela que David dit, j'ai été conçu dans l'iniquité, d'accord, j'ai été conçu dans la fornication, j'ai été conçu dans le péché, tu as fait de l'enfant avec la femme d'autrui, c'est ce qui est arrivé avec David. David a eu un enfant avec la femme de Uri. C'est comme ça que Dieu a permis que cet enfant puisse mourir, parce que l'enfant a été conçu dans le péché, dans l'iniquité. Donc il n'y avait pas une bonne couverture dans la vie de cet enfant. Bien aimé dans le Seigneur,
tu es en train de pleurer aujourd'hui parce que ton enfant ne t'écoute pas. Mais regarde un peu en arrière. Comment est-ce que tu avais conçu cet enfant? Cet enfant, tu l'as eu avec qui? Peut-être tu verras que le père que cet enfant connaît, ce n'est pas son vrai père. Le vrai père, tu l'as caché et tu l'as remplacé, tu l'as présenté quelqu'un qui n'est pas son père. Donc c'est normal que cet enfant puisse avoir ce genre de problème-là. Tu es venu dans un couple, tu t'attendais peut-être pas que ça allait aboutir jusqu'à ce que vous puissiez vous marier ou encore qu'il y ait des enfants. Donc il y a eu des erreurs que nous autres nous avons fait. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de dénoncer ce genre de comportement pour que toi tu ne fasses pas le même erreur. Je sais que tu es en train de chercher un enfant, mais ne va pas auprès de féticheurs, parce que l'enfant que tu iras chercher auprès de féticheurs, ça ne sera pas une bénédiction, ça sera une malédiction. J'aime dire à quelqu'un, mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc au lieu d'aller trouver un démon et de le mettre dans ton ventre, reste seul, accepte d'être appelé stérile, mais ne va pas chez ces papas là pour qu'ils puissent faire des mystiques sur ton corps. Elle va mettre des incisions sur ton corps, c'est-à-dire qu'il fait déjà des alliances de sang avec toi. Et l'enfant qui va naître, bien aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas une bénédiction, ça ne sera pas un enfant qui vient de la part de Dieu, mais ça sera un esprit que le diable donnera un corps pour venir te détruire plus tard, pour venir t'achever plus tard, pour venir te tuer plus tard. C'est pourquoi il est important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions dénoncer ces choses. Donc il y a vraiment des symptômes de maladie qui sont démoniaques. Il y a, dans la vie de l'enfant, Dieu a dit que tout ce qu'il fait est bon. Dieu ne peut pas créer un enfant avec des handicaps. Quand l'enfant naît avec des handicaps, cela nous montre simplement que cet enfant a été attaqué pendant qu'il s'est trouvé encore au sein de sa maman. D'accord? Donc l'enfant a été attaqué et il est temps que nous puissions agir. C'est pourquoi ce vendredi, ne manquez pas, parce que nous avons la délivrance de maladies qui sont dues à la sorcellerie. Nous allons combattre ces maladies et nous allons implorer la main de Dieu pour opérer de miracles et des guérisons spectaculaires dans la vie de ceux-là qui sont victimes de maladies dues à des puissances maléfiques. Homme de Dieu, par rapport à notre responsabilité, avant de clôturer, j'aimerais raconter une histoire que j'ai écouté, une histoire des secrets des familles, des choses qui se passent, la conception, l'iniquité. Il y a un couple qui sont mariés, qui ont eu un enfant, un garçon. Les garçons ont grandi et les garçons étaient à l'âge de se marier. Et le garçon a grandi avec l'éducation chrétienne. Mais ce que le garçon ne savait pas, qu'il y avait beaucoup de secrets entre son père et sa mère. Le garçon était chrétien, alors il voulait épouser une femme parce que ses parents l'ont conseillé. Maintenant tu as l'âge d'épouser, tu as fini les études, maintenant tu travailles, tu es stable, tu peux trouver un chez toi, trouver une femme pour te marier. Et à la recherche de ces femmes, de la femme, on va dire, l'homme amène une femme, une fiancée à la maison pour présenter à ses parents. Et arrivé à la maison, il présente à son père, papa, voilà la prétendante, la fiancée que j'aimerais vraiment épouser. Donc nous sommes en stade d'observation pour voir. Et la fiancée est partie, et le papa qui dit à son fils, tu ne peux pas épouser cette femme. Et le fils qui demande pourquoi, ah parce que c'est ta soeur, c'est ta demi-soeur. Ta maman ne sait pas, mais j'ai fait cette fille en dehors du mariage. Et cette fille-là, c'est mon enfant. Mais ta mère ne sait pas. Et toi non plus, tu ne sais pas. Parce que ce sont des choses que je cache, je ne dis pas. Mais à toi, je t'ai dit parce que je ne veux pas que tu épouses ta soeur. La deuxième, il a abandonné. Il ne peut pas épouser sa soeur, sa demi-soeur. Il a abandonné. Il amène une deuxième fiancée. Les pères qui disent, c'est aussi ta demi-soeur. Je l'ai fait avec la femme du coin du quartier. Il amène une troisième fiancée, le papa qui dit, c'est aussi ta demi-sœur. Je l'ai fait quand j'étais en mission de service, mais c'était vraiment catastrophique. Finalement, le fils a décidé de tout raconter à sa maman. Il vient raconter à sa maman, il dit, mais maman, je ne comprends pas papa, je ramène des fiancés ici que tu vois, mais chaque, je ne sais pas si c'est une blague ou il ne veut pas que je me marie, mais à chaque fiancé, il dit que c'est ma demi-sœur, tout ça. Mais le papa croyait que la maman ne savait pas, mais la maman était au courant de toutes ses aventures à l'extérieur. Et qu'est-ce que maman dit? Elle dit, écoute, parmi ces trois filles, choisis une que tu vas épouser. Mais pourquoi? Parce que maman m'a dit que ce sont des demi-sœurs et je m'étonne que toi tu connais, tu ne m'as rien dit. Elle dit, moi je ne sais rien te dire parce que lui aussi il y a des secrets que moi je sais, que j'ai, que je garde, que lui ne connaît pas. Moi je te demande de choisir parmi les trois une que tu veux, tu vas épouser. Mais pourquoi je dois épouser ma sœur? Oui, parce que ce ne sont pas tes sœurs. Pourquoi? Comment ça se fait pour mes soeurs? Parce que ce père ici n'est pas ton père. C'est... Donc c'est vraiment le secret des familles. Toi, tu es né d'ici,
mais ce papa n'est pas ton vrai papa. Et les filles que les papas croyaient que c'était les demi-sœurs de son enfant n'ont jamais été des demi-sœurs parce qu'il y a toutes ces choses-là. Nous devons regarder à nous. Nous devons regarder à nos papas. Nous devons regarder à nous, maman. Nous sommes en train d'accuser l'un l'autre. Non. Nous devons chacun examiner sa vie, examiner sa marche. Comment est-ce que tu t'es conduit? Comment est-ce que tu as conçu ton enfant? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce que tu as impliqué comme responsabilité à la maman et au papa? Et cela va nous permettre d'avoir clair pour aider que les enfants puissent en sortir dans cette histoire, chercher la délivrance pour nos enfants et pour nos familles, pour nos couples. Tu vas incliner ta tête là où tu es, ma soeur. Tu vas bénir le nom de Dieu pour ce moment que nous avons passé ou que nous sommes en train de passer ensemble. Nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons lui bénir. Nous voulons lui dire encore merci parce que la Bible nous dit que la révélation de sa parole est claire. Elle nous donne de l'intelligence. Oui, c'est vrai, nous avons besoin de ce genre d'enseignement parce que peut-être tu te dis, ben moi je suis déjà passé par là, mais il y a ta fille, il y a ton frère, il y a une sœur à qui tu dois tout d'abord conseiller. Il y a les erreurs que tu as fait dans le passé et tu, ça peut aussi servir à quelqu'un d'autre pour qu'elle ne puisse pas reprendre le même erreur que toi tu as fait. Nous sommes en train de dire merci à Dieu pour la parole que nous avons écoutée ce matin. Nous sommes en train de dire merci à Dieu parce qu'il nous a réveillés ce matin. Élève ta voix et commence à bénir le nom de Dieu. Alléluia. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire. Merci parce que tu nous as parlé au Éternel des armées. Merci, tu nous as réveillés ce matin, Seigneur. Tu as permis que nous puissions nous réveiller. Il y a ceux-là qui étaient allés au lit avec nous autres, mais qui ne se sont pas réveillés, Seigneur. Mais tu nous as réveillés, Seigneur, notre Dieu. Tu nous as réveillés ce matin. C'est pourquoi nous sommes là pour bénir le nom de Dieu que tu es. Commence à bénir le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. La Bible nous dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne tes iniquités, celui qui guérit tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fausse. Oh, alléluia, commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à élever le nom du Seigneur. Bien-aimé, ce matin, nous élevons le nom du Seigneur. Ce matin, nous exaltons le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, rentrons dans ses portes avec le louange. Rentrons dans ses parvis avec des cantiques. Célébrons le bénissez son nom. L'Éternel est bon, sa bonté dira toujours. Sa fidélité dure de génération à génération. Commence à bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Bénis le nom du Seigneur. Oh, que mon âme bénit le nom du Seigneur. Mon âme bénit le nom du Seigneur. Le Dieu qui m'a protégé. Le Dieu qui m'a gardé. Alors que j'étais en train de dormir, tu étais là en train de me protéger. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Il n'y a pas cinq dieux. Il n'y a pas six dieux. Tu es l'unique et le seul. Sois béni dans ma vie, Seigneur. Sois exalté dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci pour ta santé. Dis-lui merci pour ta santé. Dis-lui merci. Merci pour sa protection dans ta vie. La Bible nous dit que dans le livre de Psaume, chapitre 100, verset 7, verset 1er, oui, s'il ne garde pas, celui qui n'avait pas gardé aujourd'hui, tu ne seras pas en vie. Avec tous les attaques qui viennent, avec tout le plan maléfique que l'ennemi a placé contre ta vie. Élève ta voix, ma sœur, bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour la sécurité. Dis-lui merci pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, bénis le nom du Seigneur. Mon âme, bénis le nom du Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci pour ta famille. Dis-lui merci pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Fidèle à ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons implorer sa miséricorde dans notre vie. Nous voulons implorer sa compassion dans notre vie. Nous voulons lui dire, Seigneur, ne nous traite pas selon nos iniquités. Nous voulons lui dire, Seigneur, nous avons besoin de ta compassion. Est-ce que ce matin, tu peux dire à Dieu, tu peux dénoncer le faute que tu as fait devant Dieu? Est-ce que tu peux implorer sa miséricorde dans ta vie? Lui dire, Seigneur, je péché contre toi. Lui dire, Seigneur, je fais ce qui est mal à tes yeux. Est-ce que tu peux dire à Dieu que hier tu t'es endormi avec la colère? Est-ce que tu peux l'avouer? Est-ce que tu peux implorer sa miséricorde dans ta vie? Tu peux dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi à cause de mes erreurs passées. Je viens aujourd'hui implorer ta miséricorde. Ne me traite pas, ne me punis pas à cause de mes erreurs passées, à cause de mes péchés passés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi.
Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Je viens au devant de ton trône de grâce. Au devant de ton trône de miséricorde. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour tout le mal que je te fais, Seigneur, mon Dieu. Et pitié de moi, Seigneur, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je viens au devant de ton trône, Seigneur, mon Dieu. Pardonne-moi pour la fornication. Pardonne-moi pour l'idolâtrie, Seigneur. Pardonne-moi pour la magie, Seigneur. Pardonne-moi pour la consultation maléfique. Moi qui ai tendance à aller consulter les gens ou qui regarde dans ma vie et qui me dit ce que je dois avoir comme avenir. Moi qui ne te consulte pas, mais qui consulte le charlatan, Seigneur, je viens implorer ta miséricorde, Seigneur, pour toutes les mauvaises actions que j'ai commises. Ô éternel mon Dieu, je viens t'implorer, je viens implorer ta miséricorde. Seigneur, pardonne ma vie, Seigneur, pardonne mes enfants, pardonne ma femme, pardonne mon mari, Seigneur, mon Dieu. Les iniquités de ma famille, Seigneur, je les apporte au devant de toi. Seigneur, j'ai eu un père qui ne t'a pas connu, Seigneur. J'ai eu une mère qui était musulmane, Seigneur. J'ai eu un père qui était sataniste, Seigneur. Mais toi, tu veux que la vérité soit fondée dans mon cœur. Viens, pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mes péchés, Seigneur, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, nous voulons nous engager devant Dieu à pardonner tout cela qui nous ont fait du tort. Nous voulons nous engager devant le Seigneur de la même manière que Dieu nous a pardonné. Nous voulons lui dire, Seigneur, je prends l'engagement de pardonner telle personne malgré le tort qu'elle m'a fait. Je vais la pardonner parce que toi tu m'as pardonné. Est-ce que ce matin tu peux prendre l'engagement sincère devant Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu que je pardonne ma belle-mère? Est-ce que tu peux dire à Dieu que je pardonne ma belle-sœur? Est-ce que tu peux dire à Dieu que je pardonne mon beau-frère qui n'a jamais voulu de ma relation avec son frère? Est-ce que tu peux pardonner ceux-là qui t'ont fait du mal dans ta belle famille, peut-être dans ta famille, peut-être à ses collègues du travail qui te causent tout le temps de problèmes, qui te mettent tout le temps des bâtons dans la rue, que tu n'aimes pas, que tu ne supportes pas, que tu n'en parles pas, que tu traites de raciste? Est-ce que ce matin nous pouvons pardonner cette personne-là? Pas parce qu'elle mérite notre pardon, mais simplement parce que nous autres aussi nous avons été pardonnés et en retour nous voulons aussi pardonner les autres. Élève ta voix bien-aimée dans le Seigneur, montre à Dieu l'amour que tu as envers ceux-là qui t'ont fait du tort. Montre à Dieu le grand amour que tu vas te manifester en pardonnant ceux qui t'ont fait du tort. Engage-toi maintenant à pardonner le ceux qui t'ont fait du tort. Engage-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Parle à Dieu, Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu, Seigneur. Je viens aujourd'hui pardonner ceux qui m'ont fait du tort. Je viens pardonner mes ennemis que je connais, les ennemis que je ne connais pas, Seigneur. Ces hommes qui m'ont fait du tort, Seigneur. Ces hommes qui lui ont toujours combattu. Élève ta voix, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Commande à Dieu de pardonner ceux qui t'ont fait du tort. Je m'engage à pardonner ceux qui m'ont fait du tort. Je m'engage à pardonner ceux qui m'ont fait du tort. Je m'engage à pardonner, Seigneur, aux ceux qui parlent de mal de moi, ceux qui me traitent indignement, ceux qui parlent du tort. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prenons l'engagement de le pardonner. Car tu nous demandes de nous pardonner. Ce n'est pas parce que nous voulons, mais c'est parce que nous obéissons, Seigneur, à ta parole. Je pardonne. Pardonnons, Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort. Et nous te demandons, Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort, Seigneur. Au nom je de le Jésus. Pardonne au nom puissant nos offenses, et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je pardonne mon père pour le mal qu'il m'a fait. Est-ce que tu peux pardonner ton papa? Est-ce que tu peux pardonner ta maman? Est-ce que tu peux lui pardonner parce qu'il vous avait abandonné avec votre mère? Il était parti vivre avec une autre femme et ce sont ces enfants-là du deuxième mariage qui s'en est occupé. Vous autres, il n'a rien fait pour vous. Et depuis là, il y a une colère en toi, une colère à l'encontre de ton papa. Est-ce que ce matin, tu peux dire à Dieu, je pardonne mon père? Est-ce que ce matin, tu peux dire à Dieu, je pardonne ma mère? Cette maman sorcière qui t'a jamais aimé, qui a aimé ta sœur plus que toi. Elle a montré que son amour, ce n'était pas envers toi, c'était avec l'autre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux la pardonner devant le Seigneur? Est-ce que tu peux prendre l'engagement de la pardonner? Commence à pardonner maintenant au nom de Jésus. Pardonne ton ex. Est-ce que tu peux pardonner ton ex ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux pardonner la personne qui t'a violé pendant que tu étais encore enfant? Est-ce que tu peux la pardonner? C'était l'esprit maléfique qui était dans cet homme pour te faire du tort. Est-ce que tu peux la pardonner? Dis à Dieu, je pardonne cet homme qui m'a violé dans ma jeunesse. Pardonne-le aujourd'hui.
dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'attends une jeune sœur qui dit à Dieu, je pardonne à cette personne. Tu peux pardonner, ils étaient à quatre. Oui, c'est quatre là qui t'ont violé. Demande à Dieu de le pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ton cœur ce matin. Ce matin, nous voulons ouvrir le cœur pour pardonner. Pardonne le papa de tes enfants qui t'a quitté, qui t'a abandonné avec les enfants, qui ne paye même pas la pension alimentaire. Il ne s'occupe pas de ses enfants depuis qu'il est parti. Il a tourné le dos contre vous. Les enfants, ils demandent. Tu es obligé de chercher de voies et moyens pour subvenir aux besoins de tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te demander de pardonner à cet homme. Est-ce que tu peux lui pardonner, bien-aimé dans le Seigneur? Pendant que tu es dans la présence de Dieu, Dieu a dit, Seigneur, ça me fait mal, mais je vais quand même pardonner. Comme toi, tu m'as pardonné, moi aussi, je viens aujourd'hui pardonner cet homme. Je viens pardonner cette femme que je fais venir ici en Europe, que je payais le billet. Je me suis sacrifié. À l'époque, je n'avais pas un séjour, mais je me suis tapé des cailloux pour réunir le billet. Et elle est arrivée. Aujourd'hui, c'est elle qui m'a foutu à la porte. Seigneur, mon Dieu, j'ai du mal à pardonner cette femme. Mais comme c'est toi qui me demandes, je viens quand même au devant de ton trône et te dire, Seigneur, je la pardonne. Commence à pardonner cette femme. Pardonne-la maintenant. Pardonne cet homme qui est parti. Pardonne cet homme qui t'avait promis le fiançailles. Il t'avait promis le mariage. Et tu as entendu qu'il a épousé une autre personne. Commence à pardonner cette personne aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Pardonne la personne qui t'a fait du tort. Pardonne ton père parce que toutes les paroles qu'il te disait pendant que tu étais enfant, ce sont ces paroles qui ont affecté aujourd'hui ta destinée. Tu ne sais plus vivre avec les gens parce que tu n'as pas eu un bon modèle de père. Commence à élever ta voix, dis à Dieu, je pardonne mon père. Commence à élever ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Pardonne-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le pardon est une puissance. Le pardon libère. Ouvre la porte de la prison de ton cœur. Ouvre et libère toutes ces personnes que tu avais emprisonnées dans ton cœur. Ouvre cette porte de la prison. Ça t'est fait du tort à toi, bien-aimé dans le Seigneur, plus qu'aux autres, plus qu'à celles-là que tu as emprisonnées. Ouvre les cœurs maintenant. Libère ces personnes maintenant. Libère-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne le mari de ta sœur qui t'a violé. Pardonne-le pour tout le mal qu'il t'a fait. Oui, c'est lui qui était derrière toi, mais il est allé dire à sa femme que c'est toi qui l'avais piégé. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce matin tu peux pardonner à cette personne pour le tort qu'il t'a fait? Est-ce que tu peux pardonner à ta belle-mère? Est-ce que tu peux pardonner à ta belle-maman, ta belle-maman, la femme de ton père? Oui, est-ce que tu peux le pardonner ce matin? Est-ce que tu peux oublier tout le mal qu'elle t'avait fait? Est-ce que tu peux oublier la manière dont elle t'a traité? Tu étais comme une bonne dans la famille. C'était toi qui devais faire tout le mauvais boulot dans la maison. Ses filles ne faisaient rien. C'était toi qui faisais tout. Est-ce que ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux pardonner cette femme qui est déjà morte il y a quelques années? Est-ce que tu peux la pardonner? Tu l'as jamais pardonnée. Élève ta voix et commence à pardonner maintenant. Pardonne ton pasteur qui t'a fait du mal. Il a dit de mal lorsque tu as quitté son église. Il a divulgué le secret que tu lui avais donné. Il a dit à tout le monde que tu étais malade. Est-ce que tu peux pardonner à cet homme de Dieu? Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de pardonner aujourd'hui toutes ces personnes qui nous ont fait du tort. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être même la femme avec qui tu vis. Tu as des colères contre cette femme. Elle ne sait pas. Mais en toi, il y a une rancune. En toi, il y a une colère. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ton cœur ce matin et commence à libérer. Commence à pardonner. J'entends quelqu'un qui dit à Dieu, je pardonne. J'entends quelqu'un qui dit à Dieu, ça me fait mal, mais je pardonne quand même. J'entends quelqu'un qui parle à Dieu. J'entends quelqu'un qui libère son cœur. Pardonne maintenant. Au nom puissant de Jésus. Pardonne ton mari. Il n'a pas été sincère. Il t'avait montré une autre identité. Il t'a pas montré ce qu'il était en réalité. Il t'a fait comprendre qu'il était une autre personne. Et quand vous êtes rentré à la maison, tu as compris que c'était pas sa vraie personne. Élève ta voix et commence à pardonner cette personne maintenant. Pardonne ta femme pour tout le mensonge qu'elle t'a dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train d'ouvrir maintenant toutes les prisons qui sont dans nos cœurs et nous libérons tout ce qui était enfermé, tout ce qui était enchaîné dans ces prisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à demander pardon à Dieu. Commence à pardonner les autres maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, pardonne ta rivale. Pardonne le fils de ta maman. Pardonne. Pardonne ton frère que tu as aidé, que tu as fait venir ici en Europe. Et depuis là, il ne te parle plus. Il est devenu ton rival. Quand tu fais quelque chose dans la
famille, lui, essaie de faire plus que toi. Bien aimé dans le Seigneur, il y a tellement de choses qui peuvent faire obstacle à ta prière ce matin. Élève ta voix et commence à pardonner. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de pardonner au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, tu vas maintenant invoquer le sang de Jésus-Christ dans ton cœur. Comme tu as pardonné, que le sang de Jésus vienne purifier ton cœur. Demande à Dieu, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Lave mon cœur. Enlève le rancune. Enlève la colère dans mon cœur. Oh, enlève tout ce qui ne te glorifie pas dans ton cœur. Dans mon cœur, Seigneur, j'invoque ton sang. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ enlève la colère dans ton cœur. Que le sang de Jésus-Christ purifie ton cœur. Que ton cœur ne soit pas une prison où tu enchaînes le gens, où tu emprisonnes le gens. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, invoque le sang de Jésus-Christ dans ton cœur. Invoque le sang de Jésus-Christ dans ton cœur. Invoque le sang de Jésus-Christ dans ton cœur. Oui, ça te ferait mal, mais invoque le sang de Jésus. Demande à Dieu de purifier ton cœur. Demande à Dieu de laver ton cœur maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus. Oh, alléluia, depuis le sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, nous invoquons le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Élève ta voix, ma sœur. Commence à invoquer le sang de Jésus. Les robinets qui détiennent les sangs. Alléluia, le sang. Et que je sois trempé, mouillé tout entier. Seigneur, je vends ton sang dans ma vie. Je vends ton sang dans ma vie. Alléluia, alléluia. Oh, que tous les organes de mon corps soient trempés dans ton sang. Alléluia, que tous les cellules de mon corps soient trempées dans ton sang. Que tout ce qui est en moi soit trempé dans ton sang, Seigneur. J'invoque ton sang dans ma vie, Seigneur Jésus. Alléluia, j'invoque ton sang. Commence à invoquer le sang de Jésus. Alléluia, dans tout ton corps, tu es en train d'invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu invoques le sang de Jésus-Christ dans ton corps. La Bible nous dit que je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Invoque la couverture du sang de Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie soit marquée par le sang de Jésus. Que ta vie soit couverte par le sang de Jésus. Que ta vie soit purifiée par le sang de Jésus. Nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Dans ta maison, tu invoques le sang de Jésus. Dans ta chambre à coucher, tu invoques le sang de Jésus. Dans ton bureau du travail, tu invoques le sang de Jésus. Que le sang de Jésus opère dans ta vie. Que le sang de Jésus détruise toute puissance maléfique dans ta vie. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, transfuse-moi avec ton sang. Que le sang de Jésus, alléluia, me transfuse ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus repousse, rejette le sang de la sorcellerie. Que le sang de la sorcellerie soit rejeté maintenant dans mon corps. Que le sang de la sorcellerie soit rejeté maintenant dans mon corps. Que le sang de Jésus-Christ soit rejeté maintenant. Lave mes pensées par ton sang. Lave mes pensées par ton sang. Enlève à moi toutes les pensées négatives. Lave mes pensées par ton sang. Lave mes pensées par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, enlève les pensées sataniques. Enlève les pensées négatives. Au nom puissant de Jésus, lave mon corps et je serai plus blanc que la neige. Lave-moi par ton sang. Nous sommes en train d'évoquer le sang de Jésus. Dans ton corps, tu invoques le sang de Jésus. Alléluia. Que les diplômes, les certificats, que tout ce que tu as soit trempé dans le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Que le CV, le lettre de motivation, que tout ce que tu introduis pour la recherche d'emploi soit trempé dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, à l'office des étrangers, que ton dossier soit trempé dans le sang de Jésus. Que ton dossier soit mis au-dessus des autres dossiers. Que ton dossier soit traité aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Éternel tendre Père, je bénis ton nom, je t'exalte. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, manifeste ton amour dans ma vie, manifeste ta puissance dans ma
vie. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Purifie-moi par ton sang, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ma maison soit marquée par ton sang. Que ma vie soit marquée par ton sang. Que ma vie soit couverte par ton sang. Au nom de Jésus-Christ, commence à couvrir tes enfants par le sang de Jésus. Commence à couvrir ta fiancée dans le sang de Jésus. Nous sommes en train d'évoquer la puissance du sang de Jésus-Christ dans ta vie. Élève ta voix, bien-aimée, dans le Seigneur. Que ta journée soit couverte par le sang de Jésus. Nous sommes en train d'évoquer le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Élève ta voix, ma sœur, et invoque le sang de Jésus. Élève ta voix, mon frère, et invoque le sang de Jésus. Nous sommes en train d'évoquer le sang. Nous sommes en train d'évoquer le sang. Nous sommes en train d'évoquer le sang. Dans ton salon, nous invoquons le sang. Dans ta chambre à coucher, nous invoquons le sang. Dans ta toilette, nous invoquons le sang. Le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Que le sang de Jésus opère dans mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Ah, j'entends quelqu'un qui dit que le sang de Jésus-Christ opère dans mon corps. Que tout ce qui est à moi boit le sang de Jésus. Que tout ce qui vit en moi avale le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Que les esprits maléfiques qui se trouvent dans mon corps boit le sang de Jésus maintenant. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. J'entends quelqu'un qui dit avec moi, je bois le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Commence à invoquer le sang de Jésus dans ta vie. Commence à invoquer le sang de Jésus. Nous sommes en train d'évoquer le sang. Nous sommes en train d'évoquer le sang. Le sang, 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 le sang de Jésus-Christ dans ma vie. La couverture du sang de Jésus. Alléluia. Que ta journée soit marquée par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te précède dans toutes tes démarches. Que le sang de Jésus te précède dans ton lieu du travail. Tu invoques le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ton sang. Alléluia. Nous voulons prier aussi pour ta santé. La Bible nous dit que c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Tu vas prendre ta main droite et tu vas le placer là où tu as de douleur. Tu vas le placer là où ça ne va pas dans ton corps. Nous voulons nous adresser à la maladie. Cette maladie a des oreilles. Cette maladie connaît la puissance du nom de Jésus. Nous nous adressons à la maladie, pas à ton nom, mais au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Tu vas dire en vertu de pouvoir, et de l'autorité qui m'a été conférée, concert. Écoute-moi bien. Tu t'es trompé d'adresse. Ici, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est l'adresse du Saint-Esprit. Je ne peux pas permettre que tu cohabites avec le Saint-Esprit. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Prends tes bagages et sors maintenant de mon corps. Tu vas parler à ta maladie. Tu vas dire, tu meurs. Non, parle à ta maladie. Toi, tu connais le nom de ta maladie. Amen. Moi, je parle de tumeur. Mais ta maladie, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est en train de déranger ta santé? Donne le nom à cette maladie-là. Et ordonne à la maladie de libérer ton corps maintenant. Parle au démon qui a amené cette maladie dans ton corps. Dis-lui de la même manière que tu avais amené cette maladie. Je te donne l'ordre au nom de Jésus de reprendre ta maladie et d'amener cela là où tu l'avais prise. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les flèches de la maladie qui ont été tirées dans ma vie soient retournées à leurs envoyeurs. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, je retourne la maladie aux leurs envoyeurs. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne et toi maladie dans mon corps. Je t'envoie les feux du Saint-Esprit, soient consumés maintenant, soient détruits par la puissance du feu de vos rangs. Éternel et tendre Père, je prie pour toutes les personnes qui sont malades. Je prie pour toutes les personnes qui croient à la grâce que tu as déposée dans ma vie. Seigneur, là où ils ont imposé leurs mains, que ta main se pose au-dessus de la main de ta fille. Tu as dit dans ta parole que c'est à la montagne de l'Éternel qu'il y aura la délivrance et le peuple reprendra sa possession. Nous voici à la montagne, nous voici à ta présence, éternel Dieu de gloire. Je brise la puissance de la maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je donne l'ordre au vent de l'est, au vent du sud, au vent du nord, au vent de l'ouest,
des soufflets dans la vie de mon frère pour disperser la maladie ce soir. Ou ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je détruis la puissance de la maladie. Je parle au démon maladie. Je dis, tu prends tes bagages et tu quittes la vie de mon frère. Je parle à toute la maladie. Au nom de Jésus, tu libères maintenant. In Jesus' name. Merci pour la guérison miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je vais recommander et abandonner cette journée entre tes mains. Je prie que cette journée soit bonne pour ma sœur, pour mon frère, pour toutes ces personnes qui ont prié avec moi, pour la personne qui est en train de se préparer là pour aller au travail, Seigneur, que sa journée soit bonne, que sa journée soit bénie, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je recommande nos vies entre tes mains. Seigneur, si tu ne nous gardes pas, qui d'autre pourra nous garder? Si tu ne nous protèges pas, qui d'autre pourra nous protéger? Merci à toi, fidèle et tendre Père. Merci pour ce programme précédé l'aurore de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et victoire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Et Amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, c'est le jour de l'intercession. Donc, nous nous retrouvons à partir des 17h à la Divine Alliance à Bruxelles pour ces moments d'intercession, des prières fortes, des prières de combat spirituel et des prières de feu. Le camp d'entraînement, c'est aujourd'hui notre rendez-vous. De 17h à 19h, viens expérimenter la puissance de la prière. Toi qui as des problèmes, la Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes chargés, vous êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Je me demande pourquoi tu portes toujours ces poids lourds qui t'empêchent de marcher, de continuer ta marche. Viens les déposer auprès de l'Éternel et tu vas être allégé et il te donnera du repos. Dans le grand rendez-vous, c'est aujourd'hui, nous venons déposer nos fardeaux auprès de Dieu et nous rentrons à la maison les mains vides, libres, comme Jésus le veut. Mais entre-temps, à partir de midi, l'homme de Dieu reçoit. Donc les entretiens continuent toujours à partir de midi. L'homme de Dieu va recevoir tous ceux-là qui sont venus, qui viendront le trouver. Donc quand vous venez, vous prenez votre ticket à l'ordre d'arrivée. Nous allons vous recevoir et vous serez bénis de la part du Seigneur. Voilà le programme de la journée. Mais nous n'oublions pas notre grand rendez-vous de ce vendredi. Nous avons notre grande veillée de prière. La veillée de prière que nous allons traiter les cas des maladies bizarres. Les cas des maladies sorcelleriques, les cas des maladies héréditaires, les cas des maladies des sangs, les cas des maladies sorcelleriques, disons les maladies démoniaques, diaboliques. Nous voulons prier pour les maladies. Et je veux t'inviter à ne pas manquer ces jours-là. Car je crois, toi qui es malade, tu auras un changement dans ton corps. Tu auras un changement, peut-être ce n'est pas le corps, c'était peut-être l'âme. Tu auras un changement dans ta maladie de l'âme. Tu seras guéri. Au nom de Jésus, parce que nous allons faire comme le roi David, nous allons crier à l'Éternel. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 30, verset 3 ou verset 2, dans les autres versions, que j'ai crié à l'Éternel et il m'a guéri. Nous voulons crier à Dieu et il va nous guérir de notre maladie. Voilà ce qui était le programme d'aujourd'hui. Homme de Dieu, vous avez un programme à rajouter? Non, je voulais juste dire que nous sommes là. Nous sommes là, donc nous serons là. Il y a des gens qui nous ont demandé si la veillée sera en direct. Oui, donc nous allons la veillée sera en direct. Nous serons en direct sur Facebook Live. Donc nous allons faire que la prière soit en direct sur Facebook. Donc à partir de 0h déjà nous serons en direct. Vous qui allez nous suivre sur internet, essayez de nous suivre avec vos enfants et vos enfants qui sont malades. Et si l'enfant n'est pas là, si l'enfant est à l'hôpital ou bien il est dans une école spéciale, tu vas prendre son vêtement, quelque chose qui sait le représenter devant Dieu. Et nous allons prier pour cela. Nous demandons aussi aux mamans et qui n'ont pas des enfants ou bien qui ont des membres des familles qui sont malades mais qui ne sont pas là, qu'ils amènent quelque chose qui pourront le représenter. Et c'est avec cette chose que nous allons monter dans la présence de Dieu. Nous voulons vraiment traiter les cas de maladies qui sont dits à la sorcellerie. Nous voulons aller auprès de Dieu, lui qui nous a promis la guérison, lui qui a dit que il ne nous sauve pas simplement
seulement, mais il est là aussi pour nous guérir de nos maladies. Nous allons expérimenter la guérison miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, amène-nous vos enfants. Amène-nous ton mari qui est sur le fauteuil. Dieu, fais-le sortir de l'hôpital et amène-le. Donc la grâce de Dieu est disponible, le miracle de Dieu est disponible, le temps de miracle n'est pas encore passé. Donc ce Dieu-là, nous le connaissons, nous savons de quoi il est capable. Donc là où le médecin a échoué, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Alléluia, donc vous êtes vraiment invités, ne manquez pas. Ce samedi, nous avons rendez-vous à Bruxelles. Et l'autre samedi, ça sera à Liège. Mais ce samedi, nous sommes à Bruxelles, donc pour notre soirée de guérison de toutes les maladies qui sont causées par la sorcellerie. Amen. Donc nous allons vraiment nous adresser, nous allons nous apprendre aux esprits qui ont amené la maladie et nous allons reprendre le corps parfait que Dieu t'a donné. Amen. Là où ce corps a été caché, nous allons le reprendre et tu vas glorifier Dieu pour ta guérison. Voilà ce qui était de notre programme de ces jours et des jours prochains à venir. Nous te bénissons, toi qui étais fidèle du début jusqu'à la fin, qui nous a suivis. Aussi, toi qui nous as rejoints entre temps, laisse que la main de Dieu qui n'est pas courte, qui est longue, qui agit par toi à la fois, que la main de Dieu soit étendue sur toi et que tu sois béni. Nous te disons, nous te souhaitons une meilleure journée en ces jours avec la grâce, la couverture du Saint-Esprit. Partagez la vidéo. Voilà, nous voulons que vous partagez la vidéo, par la vidéo reste disponible et qu'à chaque fois que tu as besoin, tu peux toujours en bénéficier, en profiter, tu peux envoyer à quelqu'un, tu peux recommander quelqu'un la vidéo d'aujourd'hui parce que cette vidéo nous fait du bien et tous les temps que nous passons ensemble sont des moments bénis au nom du Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'était là le couple apostolique Honorine et Bolavie Isao pour vous servir. Nous vous prenons congé et nous vous disons à très bientôt. Merci, au revoir.